الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، الله رب العالمين إن عندنا توفيق من غزو عندنا لسون أصول الحديث يا الله رب العالمين في قبول بريزانس كما وكني بكو بامي وبتد تشاو كوران de Damancho Ours de Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullah Alayh. Et donc, je vais faire niyat aussi au cas Shamil, ensemble avec moi, dans sa niyat là, qui sa classe qu'il nous peut faire aujourd'hui là, sa leçon qu'il nous peut faire aujourd'hui là, nous fait aller avec niyat, faire ça les sawab, et spécialement pour Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullah Alayh. Ce qui donne nos terminologies, nous, à Maurice, dans les autres places, nous avons servi le terme urus. Donc, nous, malgré Penabriani, right, Pena tout ça, mais seulement un Abriani de ilm, right, la connaissance, et c'est ça meilleur Briani, right, c'est ça meilleur en termes, right, au cas de risque, ilm. Alors, nous fait lire avec niyat Isa les sawab pour Allah Hazrat et nous fait sa doua là qui Allah Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayh l'infini gagne plus qu'il 100 bananes depuis d'une petite nous mais seulement jusqu'à aujourd'hui musulman sunni pas encore fini comme si travail qui a Allah Hazrat une fait non sa quantité de livres qu'il écrit sa quantité ilm qu'il fin quitter peut-être Ahlou Sunna Wal Jama'a nous pas encore fini explore tout ce qui a la Hazrat fini créa. Hein? Alors parce que la Hazrat c'est un genius. Ben à doute là-dedans il est un genius. Donc nous fait droit Allah de nous au moins tawfiq comme si nous gagnons muhabbat avec ilm et nous essayons de bénéficier avec ilm qui nous ban ulama fini quitter pour nous. Allah fait nous vin addict avec ilm. Fait nous vin d'une façon comme ça. Qui tant qu'il nous pas en prendre quelque chose, ne pas gagner sommeil. Allah fait nous venir comme ça, par barakat, par wasila à la Hazrat. Donc, sans plus tarder maintenant, nous commençons nos classes, nous continuons quand nous sommes arrêtés la dernière fois. On rappelle peut-être, notre cause, le one other matters pertaining to sahili dati la dernière fois. Okay, la dernière, certaines choses importantes et certaines choses moins importantes, notre fini point out. Qui est important, qui est moins important, peut-être ce qui est plus important, hein, ce qui est plus important dans ce qui nous a causé la dernière fois, c'est concernant ce chapitre-là. Est-ce que Imam Bukhari et Imam Muslim, rahmatullah alayhim, est-ce qu'ils vont finir inclure tout hadith authentique dans cette collection hadith? Right? Alors là, nous n'en prenons, non, je n'inclus une partie de mon hadith authentique. Voilà. Imam Bukhari et Imam Muslim encompass all Sahih narration. Là, nous n'en prenons, non, ce n'est pas le cas. Maintenant, pas de chien à l'intention aussi faire ça, parce que Sahih hadith lit beaucoup. Maintenant, il n'a qu'envie de compiler une quantité d'épis tout mon Sahih hadith qui nous est là. Alors, nous finissons là la dernière fois, nous finissons de nous plusieurs références importantes, peut-être qui vous servez à l'époque qui nous était, man fitna qui nous est là, donc peut-être qui vous servez. Maintenant, il y a quelques informations encore là, pas pour trop rentrer en détail. Un number of hadith in Bukhari, with repetitions, without repetition, with repetition. Repetitions veut dire hadith ça apparaît plusieurs places. Right? Donc, si on compte les 120 répétitions, alors il faut 4000. Number of hadith in Sahih Muslim, 12000 with repetitions, 4000 without repetition. Peut-être nous déjà causé là avant. Qui fait une repetitions dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Alors, son raison, une bonne simple raison, c'est ça. Imam Bukhari, il fait sur Sahih Bukhari, chapter wise. Il peut causer un chapitre le ilm, il peut causer un chapitre le namaz, le rosa, le zakat. Alors, un hadith, parfois, il est capable de prouver quelque
quelque chose dans ilm, et même hadith, il prouve quelque chose dans namaz, par exemple. Alors, les pour représentent hadith, c'est-à-dire pour mentionner hadith là. Alors, là, il y a un nom de ban livre, et ensemble avec ça, il y a l'année wafad de ban ulama qui compile sa ban livre là. Ouais. Il dit à nous là, on a un hadith capable ou capable de lire dans sa ban livre là, mais seulement présence de sa ban hadith là. Présence de ban hadith dans sa ban livre là, il n'est pas. Ça suffit pour faire livre sahih. Nous visons un statement de l'imam ulama qui va nous dire que hadith là est authentique ou bien il n'est pas authentique. Qui est un alim, pas albani en tous les cas. Parce que ici, nous avons des statements from scholars about them being sahih. C'est un alim comme, par exemple, Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, lui-même. Ou bien Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayh, because ban alim kumsa. Right? C'est une question, parfois il y a du monde mal comprend. Dans un livre qui nous écrit à nous ici à Maurice, nous avons écrit à qui Albani fin déclare hadith là authentique. Certains du monde, alors je ne vais pas demander non rien, je n'ai comment dire, fait, pas de jugement, le diabégeté, il peut prendre un jugement de Albani, qui n'est pas vrai. Nous, quand nous pouvons écrire un livre là, nous pouvons écrire pour réfuter certains démons. Hein? Nous pouvons écrire ça pour réfuter Banna. Mais qui fait à nous dire là, là quand nous venons présenter Hadissa qui Albani, un Hadissa authentique, ou qui ça bande du monde qui nous peut réfuter là, on n'a pas venu à nous, hadith, ça pas authentique. Parce que, les comme ça, quand on présente un hadith devant Mana, on a dit, oh, hadith, ça pas authentique. C'est à cause ça, nous dit, hadith, ça authentique. Mais finalement, on a juge nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes, enfin, Allah pardonne nous, Allah unit à nous. Et dernière chose, what is greatest sahih among the narrations of Al-Bukhari and Muslim? Whatever they reported, we be connected is none. Nous pouvons le là après, en détail. Ce qui Imam Bukhari et Imam Muslim fin rapporté par une chaîne de transmission connectée, ça les considéré authentique. Mais la question c'est, est-ce que dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, il y a un hadith qui pas fin rapporté par une chaîne de transmission connectée? Oui, il y en a. Kutsa ina, daban heading ina, the tarjamatul bab, daban heading ina, right? Donc, daban heading, daban tarjamatul bab, the titre là-haut, quand Imam Bukhari lui peut écrire, par exemple, chapitre concernant telles affaires, et là, il présente un hadith aussi là-bas, sans ce chaîne de transmission. Alors, parfois, hadith, ça n'est pas authentique, ce qui doit titre là-haut, parfois il est capable d'arriver aussi. Nous pouvons cela après quand nous pouvons nos hadiths mu'allam. Nous pouvons cela, Inch'Allah. Là, pour l'instant, pas trop, comment dire, pas trop rentrer dans les détails ici. Pour vivre, ça quelques points là où on comprend les. Hein? Par exemple, on comprend qui fait Sahih Bukhari plus authentique, hein, considéré plus authentique. Et on comprend, ben, ulama, quand il y a sa hadith, là, il est authentique ou bien il n'est pas authentique. Qui veut dire par ça? Et dernier point, comment nous dire, c'est est-ce que Imam Bukhari et Imam Muslim finissent avec tout hadith authentique qui est dans sa dunya-là, il met ça dans le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, donc on finit répondre à sa question-là. Sans plus tarder maintenant, nous venons à la leçon aujourd'hui. Et là, aujourd'hui. Première petite chose qui nous donne là, c'est ranks of Sahih Hadith. Sahih Hadith, so ranks. Peut-être nous nous posons là la dernière fois. Nous disons qu'il y a un Hadith qui est Sahih, tout pas au même niveau. Un Hadith qui est Sahih, tout n'est pas au même niveau. Et un Hadith le plus authentique qui est l'autre Hadith, qui est aussi authentique. Pareil, comment
nos grading systems qui nous est à l'école. Alors, par exemple, A+, on peut dire A+, les 91 à 100 points, par exemple, mais ces enfants qui gagnent 99 points, ils gagnent A+, les aussi, mais les plus, il faut que ces enfants qui gagnent 95 points là, tous les deux A+, mais 99 points là, les plus, il faut. Comme ça même, en termes de hadith sahih, tout pas au même niveau de l'authenticité. Il y en a certaines qui plient plus que l'autre. Alors, rapidement, nous guetter. Ben, l'ulama dit, ce qui serait plus haute hein, en termes de l'authenticité, les plus authentiques de la catégorie ahad, en termes de hadith, Sahih, hadith qui plie authentique, alors il y a un texte arabe là-haut, c'est Hafid ibn Salah qui veut dire nous ça, très grand savant, science hadith, il dit nous, c'est those ahadith, that ahadith, le plural du mot hadith. Ahadith, le plural du mot hadith. Right? Ban hadith, ban hadith. Ban hadith qui appear in both Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Ban hadith qui fin paraît dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, tous les deux livres. Ça, ban hadith là, les considérer plus haute. Considérer plus haute. Plus authentique. Et ça, il y a un terme qui ban ulama habitué servir pour ça, c'est muttafaq alayhi. Muttafaq alayhi. Alors, c'est un alim, il dit où, mon père présent devant un hadith muttafaq alayhi. Qui lui permet pas ça? Il permet pas ça, il est présent devant un hadith qui paraît dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et qui fait le pédiaou ça? Il pédiaou ça pour comprendre que hadith là, c'est en termes l'authenticité, il est le niveau plus haut, parce que la catégorie ahad. Right? Toujours les moins qui mutawatir. Right? Il n'y a pas de la certitude, mais en termes ahad, dans catégorie ahad, ça m'implique. Deuxième, c'est un hadith qui finit par être seulement dans Sahih Bukhari, mais pas dans Sahih Muslim. C'est-à-dire, en termes rank, sa première qui paraît dans Bukhari et Muslim. Ensuite, deuxième, c'est hadith qui ne paraît seulement dans Sahih Bukhari, il ne paraît dans Sahih Muslim. Il y a un hadith comme ça. Troisième, c'est un hadith qui finit paraît seulement dans Sahih Muslim, mais pas finit paraît dans Sahih Bukhari. Troisième, c'est un hadith qui paraît seulement dans Sahih Muslim, mais il ne paraît dans Sahih Bukhari. C'est-à-dire, ça, c'est au niveau un petit peu plus bas. Hein? Après ça, un petit peu plus bas de niveau. L'authenticité, il y a aussi l'authentique, mais un petit peu plus bas, c'est un hadith qui match criteria, condition, hein, un critère établi par both Imam Bukhari et un Imam Muslim, mais seulement hadith là, il n'est pas trop dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, c'est-à-dire hadith là, il est authentique selon un critère établi par Imam Bukhari et Imam Muslim, hein, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mais seulement hadith là, il n'est pas pareil là-bas. Il pas Imam Bukhari, Imam Muslim, pas un rapport li dans autre livre, mais il est authentique d'après maintenant les autres conditions. Ça, c'est quatrième level. Quatrième level. Cinquième level, un petit peu plus bas donc, c'est those that match the criteria of Bukhari, Sahih Bukhari only, but are not found therein. Un hadith qui d'après critère de Sahih Bukhari, mais les pas trouvé dans Sahih Bukhari. Sixième, c'est un hadith qui est d'après critère de Sahih Muslim, mais je pas trouvé dans Sahih Muslim. Et septième, right? C'est un hadith qui n'est pas d'après sa bonne critère là, mais seulement les finettes classifiées authentiques par ban reliable muhaddithun, par ban reliable
علماء of hadith banna fin considéré authentique. Alors, ça c'est classification. Right? Classification, hein, ranks de man hadith sahih. Vous trouvez en bas. Bon, le nom, c'est qui? Un personnel mauricien, donc inécria. La même chose, inécria. La même chose, vous trouvez l'inémet hadith mutafakun alay. Alors, si vous pas qu'on, qui veut dire mutafakun alay, ou pas, vous pouvez dire vous voulez dire, non, je n'y explique où là-haut. Par exemple, Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Qui fait un de nous ça? Parce que sa objection qui vient de la part de Man Salafi, qui va en dire où, qui va en dire où, qui. Six n'ont accepté Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Après Sahih Bukhari et Sahih Muslim n'ont pas accepté aucun livre. Donc, même Banna aussi, ce dimot, peut dire qu'il a dit cela, les capables pas trouvent dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, mais l'authentique. Mais l'authentique. Inch'Allah, ma question nous prend à la fin de nos classes. Continuez. Nous comprenons qu'il y a catégorie ahad, les diviser en maqboul et mardoud. Maqboul ensuite divisé en quatre. Ça, c'est quelque chose qui vous supposez in revise in bini. Hein? Vous supposez connaître ça. La maqboul, la maqboul, et na sahi li zatihi, nous na sahi li ghayrihi, hasan li zatihi, et Hassan li ghayrihim. Ces quatre-là. Maintenant, nous finis étudier Sahih li zatihi qui veut dire. Maintenant, Inch'Allah, ça les reste trois qui est là, dans la catégorie de maqboul, nous pouvons guetter, Inch'Allah. Un par un, nous pouvons guetter, nous pouvons essayer de comprendre. Alors, deuxième qui nous peut en prendre ici, là, c'est Hassan li zatihi. Hassan li zatihi. Remarquez, nous pouvons prendre Sahih li ghayrihim. Un hadith qui sahih, pas par son propre la force, mais à cause de la force d'un autre hadith. Nous ne pensons pas. Il y a une raison derrière ça. Il y a une raison derrière ça. Quand vous finissez de comprendre Hassan li zatihi, là, là, c'est facile pour comprendre sahih li ghayrihi. Alors, Hassan li zatihi, c'est quoi? Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, il mentionne ça dans Nukhba. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحه. وقلنا ده أن لعلنا لا دسا أن فاز ده لنفني إكسبليك أو كيف جاء حسن لذاته وكيف جاء صحيح لغيره. أن لعلنا لا لنفني إكسبليك أو ça. Ça c'est un ulama. Un ulama. نبي كريم صلى الله عليه وسلم مم لكم نبي Allah t'a accordé sa mu'jiza de Jawami'ul Kalim. C'est-à-dire, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, comme on nous connaît, il était plus éloquent que la personne parmi les créatures plus éloquent qu'il est. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelques mots, et dans ces quelques mots-là, en termes de signification, au capable d'un ulama écrire plusieurs volumes pour expliquer ça des trois mots que nous avons, sallallahu alayhi wa sallam, il dit là. Nous n'avons pas de mu'jiz à ça. Et ban ulama, qui, ban vrai ulama, ban grand ulama, qui sont héritiers de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur ilm, ban ulama, sont héritiers de ban prophète, comme on nous connaît. Alors, en termes de ilm, alors, ban ulama aussi, Allah Rabbul Alamin, celui qui lui fait faveur l'oli, sa alim là, Allah donne lui ça, ça. Sa qualité là dans lui. Hein? Allah a donné sa qualité là. L'idée où quelque chose de 10 mots, 3 mots, une phrase, mais seulement prend où une session, des sessions pour expliquer. Si on a envie, explique-le bien même. Hein? Pour ça, ben, roulement, ce livre que nous pouvons lire, nous pas capable, comme on dit, de prendre une traduction liée à lui. Hein? Traduction liée pour. On ne peut pas dire ou pas pour gagner. Non, rien, à travers une traduction. Non, on va apprendre quelque chose, mais seulement, sohbat d'un stade important. C'est un stade là qui peut, comment dire, il peut casser les mots par mots, il peut montrer où, qui ça mine, qui ça imply. Right?
Alors ici, on a trouvé un aline, nous qui est un code, Hafid ibn Hajar, qui est nous les dit là. L'incause Hassan li dhatihi, et l'incause wabikathrati turuqihi yusahahu. Et Hassan li dhatihi, c'est quand? C'est quand il a khaffa dhabt. OK. Nous avons une explication. Et là, ça là où là, il faut une clé, c'est qui Hafid ibn Hajar et nous les dit. Literally, le mot Hassan, literally, le mot Hassan means beautiful. Right? En bêtise, c'est vrai. Hassan, beautiful. Mais c'est moi, technically, rappelle bien, quand il y a un hadith, le Hassan, il y a un technical meaning là. Il y a un technical meaning. Et ce technical meaning, c'est quoi? Hua ma تصل على سنده بنقل العدل الذي خفى ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. A حسن حديث is a hadith which has a sanad connected from beginning to end by way of narrators if by way of narrators each of whom is عدل at a lesser degree of ضبط and the hadith does not have any شذوذ or عله. Alors là, get sa définition là, bien, mon frère. Et mon soeur. Je vais get li bien. Je vais suivre moi là. Get sa définition, hadith, hassan là, bien. Et essaye trouve différence qui est là. Essaye trouve différence qui est là entre sa définition là et définition sahih qui nous tient en prendre. Sahih les dati. Quelle différence est là? Une seule différence, c'est côté était. Comment dire, chacun parmi vous, là, me pose sa question là. Voilà, réfléchis là, là. Pensez un coup. Quelle différence a trouvé? Une seule différence entre Sahih, l'idatihi et Hassan l'idatihi, cette définition. Différence, ça, c'est ça. At a lesser degree of doubt. C'est sa différence là, et non. Sinon, tout pareil. Sinon, tout pareil. Donc, là aussi, il y en a cinq conditions. Cinq conditions pour un hadith, l'ibn Hassan. Première condition, l'ibizin, il y en a une chaîne de transmission connectée depuis le commencement jusqu'à la fin. S'il n'est pas connecté, donc il n'est pas pour il n'est pas pour rentrer là-dedans, dans sa définition-là. Il pareil comme un sahih. Deuxième condition, le narrateur a besoin d'adl. Adl, nous finissons discuter ça la dernière fois dans notre avant. Et là, narrateur a besoin d'un musulman, il a besoin d'être balir, il a besoin d'être aqil, il n'est pas fou, il a besoin, après qu'il a, il n'est pas besoin de fasir. Et ce narrateur-là, il n'est pas besoin d'un comportement inapproprié. Hein? Narrateur-là, il a besoin d'adl. Mais seulement quand vient l'eau se dope, se mémoire. Pour Sahih, là-bas, tu servis un tamu dhabt. Tamu dhabt veut dire un dhabt parfait. Un dhabt, alors dhabt, comme vous connaissez, il y a des qualités dhabt. Soit dhabtul dhabtul sadr, c'est-à-dire sa narrateur-là, il en prend un hadith-là, par cœur, il y a une perfect memory, par cœur, ou bien il y a une plaisir hadith là, dans le livre, dans ce notebook, d'une façon parfaite. Ça, c'est dopt. Right? Donc, dopt, comment dire, il relate plus avec préservation hadith là, soit dans mémoire ou bien en termes écrits. Quand nous disons tam ou dopt, veut dire là-bas, narrateur là, il est parfait. Perfect. Mais dans Hassan ici, narrateur là, lit en termes sur dopt, n'est pas parfait comme un sahila. Right? N'est pas parfait comme un sahila. Li at a lesser degree. Li at a lesser degree. At a lesser degree, pas veut dire qu'il y a un jimon qui blie. Right? Non. S'il y a un jimon qui blie, comme nous aujourd'hui, blie, mais ça, nous, si nous rapportons le hadith, le hadith, ça, tu peux me dire. Pour nous, quand nous allons écouter une causerie,
La plupart du temps, il est comme ça. Il l'a, mashallah. Moi, ben, je généralise les choses, mais ce qu'il nous observait, nous écouter une causerie, une jolie causerie, hein, nous écouter, mais après un jour, des jours, devant nous, ben, Imam Sahab, Maulana Sahab, Cheikh Sahab, Hazrat Sahab, qui nous causait ben, bien, Tchigit, nous rappelle de ce qu'il nous causait. Comme ça, hein, nous comme ça. Ici, nous ne pas l'oublier, non. Mais seulement, il n'y a pas le niveau de parfait, là. Il y a des lesser degrees of both. Donc, par exemple, pour faire les vins faciles, vous prenez le grading system qui nous servait dans l'école, nous outils à l'époque A, B, C, D, E, F, vous pensez aussi aux outils là-dedans, nous mettons à plus aussi là-dedans, à plus 91 à 100, et nous dit à A, les 80 à 90. 80 à 90. Après la B, libido 80, correct. Allô? Si vous prenez comme ça, alors qu'à dire pour comprendre les choses, sans narrateur qui fait rapport hadith, sahila, il est dans le niveau de A plus, là-haut 90 points. Il est parfait, il est parfait. Tandis que sa narrateur qui rapporte Hadith Hassana, il est au niveau de A. Donc, 80 à 90 points. Il est dans sa range là. À tel degré. Mais il n'est pas B, il n'est pas C, il n'est pas D, pas E, il n'est non plus F. Right? Ici, il est mis ça. À tel degré of thought, and the Hadith does not have any shudud. Hadith là, il n'est pas chaz. Nous t'explique chaz la dernière fois. Nous pourrons réexpliquer, peut-être semestre prochain, les pour venir, pas connaître exactement, mais il donne le syllabus, chase. Mais tu disais où la dernière fois? C'est-à-dire qu'il va contradire un narrateur qui est plus reliable. Hein? Il va chasse. Et il n'y a aucun illa là-dedans, il n'y a aucun hidden defect là-dedans. Je suppose que là aussi la dernière fois. Illa. C'est pas fait trop comprendre. Regarde ça, le son, hadith, sahih. Donc, sa cinq conditions-là, dans sa cinq conditions-là, quatre conditions, il paraît, comment sahih, simplement, il y a une condition que le narrateur, là, il est un petit peu plus bas. Il n'est pas tam ou dhabt en termes de mémoire, ou bien préservation hadith en écrit, il n'est pas parfait, il est un petit peu plus moins. Hein? Là, là, ce hadith bin Hassan. Ce hadith bin Hassan. J'espère que vous comprenez. Maintenant, il y a un terme qui servit pour un narrateur. Là, où vous connaissez, est-ce que ce hadith est sahih ou bien ce hadith est hassan? Hein? Il y a un terme pour qualifier ce narrateur-là. Alors, ben, ulama fait servir certains termes. Ben, de nous là, afin que quand on trouve ce terme-là peut servir pour un narrateur ou fini connaît qui ce hadith est authentique. Et si peut servir le terme pour un narrateur, donc vous finissez connaître ce hadith, ce n'est pas authentique, il est hassan. Donc, il y a un niveau un petit peu plus bas, qui est sahih. Donc, un terme qui servit pour un narrateur qui est un hadith, bien sahih. Un narrateur qui est un hadith, bien sahih, c'est un narrateur qui est adl et dhabit. Et c'est ce narrateur-là même qui va nous hadith, servir les termes suivants qu'en cause concernant lui. Alors, c'est facile. Authaqunnas, il y a une personne qui nous a plus confiance dans lui. Il est le plus reliable parmi les gens. Et deuxième, thiqatun sabd, c'est une personne de confiance, thiqa, digne de confiance, et qui est ferme, hein, qui est ferme dans son mémorisation. Un autre mot qui servit, un autre terme qui servit pour qualifier un hadith, qualifier un narrateur qui fait rapport, donc ce hadith pour authentique, c'est thiqatun hafiz. Une personne digne de confiance et qui se mémorise. Ensuite, thiqatun mutqin, une personne de confiance et qui ferme. Maintenant, ici, on a le terme mutqin. On copie ça. Hein? La personne qui traduit, elle dit, elle qui ferme. Mais moi, ici, je ne pas pour dire qui ferme. Ici, moi, je préfère dire comme ça. Alors, une personne de confiance, ça, c'est bon. Moutkin, pour moutkin, je préfère servir
مبجدي كي بريسي عندي مون كي كاين بريسيزيون دالي كاين بريسيزيون لي بريسايز رايت Ensuite, Sikatun Hudja, c'est une personne de confiance et qui sa parole, c'est une preuve, les Hudja. Ensuite, Sikatun Sika, digne de confiance, il dit ça mot là deux fois. Pour ça, parfois nous dit un mot deux fois pour montrer l'emphase. Hein? Exemple, quelqu'un dit, mot bien malade. Ok, mot bien malade. Après, Et le dimondia, un mot bien, bien malade. Vous comprenez, il dit bien, bien, à cause, pour mettre l'en face. Alors, siqatun siqa, pour montrer qu'il dimondia est digne de confiance, narrateur là, et, ou bien, servir le mot siqa une seule fois, pour dire, un narrateur là, est digne de confiance, servir le terme motrine aussi, une personne qui a une précision, hein, comment on dit le mot motrine, c'est plus précision. Et Hudja, c'est une personne qui se parole, c'est une preuve. Donc, ça va un terme là, quand on demande livre, Asma ou Rijal, c'est un terme là pour qualifier un narrateur, c'est-à-dire ce narrateur là, ce hadith, il est authentique, il est sahih. Tandis que, ça, quelques termes là, ça, si c'est ça pour un narrateur, alors ça indique que ça va un narrateur là, je trafie faut bop. Mais déjà, je n'ai pas de catégorie A plus de bon narrateur, je suis de catégorie de A. Right? Le bon narrateur qui se hadith bin Hassan, c'est un narrateur qui est connu comme Khafif al-Dhab, ban qui est mémorisation faux, mais pas aussi faux pour ma mémorisation de ban qui est hadith bin Sahih. Ban terme qui servit concernant maintenant, c'est un technical terme. Right? Alors, Premier, c'est Sadouk. Sadouk, une personne qui est véridique. Alors, il est véridique. Pour ça qu'il nous le dit, ce hadith, il est Hassan. Maintenant, qui fait nous dire, il est dans ce technical meaning là? Parce que, est-ce que ça là ou là, il n'est pas Sadouk, il ça pas Sadouk, ils ne sont pas véridiques. C'est véridique, je. Mais seulement, c'est, comment dire, un terme technique là. Hein? Comment nous donnons les pots? Hein? Alors, quand on gagne A, maintenant, écrire excellent. Ensuite, been very good. Ensuite, là, satisfactory. Ensuite, been good. On voit là? C'est-à-dire d'après au niveau qui vous était, là, au résultat. Ça même. Soit doux. Ça m'en a là aussi, c'est véridique. Mais seulement quand il servit le terme soit doux pour un narrateur, c'est-à-dire un narrateur, là, il est véridique et en termes son mémoire, son dop, un petit peu faible. Right? Il est bon lit, mais un petit peu faible comparé à Saman, qui est une mémoire excellente. Là. Deuxième, c'est Laba Sabihi, une personne pas mal. Et dernier qui mentionnait là, c'est les Sabihi Bas, une personne qui est pas mal. Très bien. Ça, c'est pour un knowledge, ça. Hein? Pour un knowledge, ça. Là, en tous les cas, nous parlons au niveau pour aller investiguer ben sanad tout ça on va au niveau pour investiguer tout ça mais les bons nous connaissent les bons nous connaissent mais non il y a de mal pour connaître ça on va prendre maintenant dit bien non exemple d'un hadith qui hassan exemple d'un hadith qui hassan peut-être une hadith là hadith ça paraît de Jami' al-Tirmidhi hadith numéro 1659 Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit avant gates de Jannah se trouvent under the shade de l'épée. Right? L'épée de man Mujahideen, man qui vraiment fait jihad. Imam Tirmidhi, à la fin de sa hadith là, dit ya hadha hadithun hasanun gharibun. Imam Tirmidhi dit sa hadith là li hasan, ok, li hasan et li gharib. Les gharib. Qui veut dire gharib? Kajaman, qui veut dire gharib? Gharib veut dire pauvre ici. Gharib pas veut dire pauvre. On rappelle quand on dit cause ahad divisé en mashhour, après aziz, après gharib.
Ahad est divisé en Mashhour, Aziz, Gharib. Mashhour, fenêtre rapportée par combien de narrateurs? 3. Aziz, fenêtre rapportée par Atlas, combien de narrateurs? 2. Gharib, fenêtre rapportée par Atlas, combien de narrateurs? N. Gharib, ici là, l'hypémine, ça a N la même. N narrateur. Voilà. Mon frère et soeur qui en prennent un petit peu cette question, donc, c'est vous pensez qu'on peut trouver le mot gharib de Jami' al-Tirmizi ou bien dans les autres livres hadiths pour comprendre, ça a un lien qui est le Péouledjaou. Donc, quelque part dans ce sanad, il n'a c'est un seul djimoun de sa Tawbaqala. C'est ça qui est le Péouledjaou. Anyway. Alors, petite explication. Il dit, sa hadith là, les Hassan, très bien. Qui fait les Hassan maintenant? Les Hassan, because the four narrators in each sanad are thiqa. Except for Ja'far ibn Sulaiman, he is saduq, and this is why the hadith is lowered from the rank of sahih to hasan. C'est-à-dire, le narrateur, sorry, la chaîne de transmission là. Allô, ok. Et là, mon narrateur, Qutayba, Ja'far ibn Sulaiman, al-Dubari, Abi Imran, et Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari. C'est un narrateur. Maintenant, ça va narrateur là, ça va narrateur là, tout ce digne de confiance, tout digne de confiance, tout le haut niveau qui se hadith bin sahih, excepté ça narrateur, Ja'far ibn Sulaiman al-Dubari. Lui, il n'est pas séqa. Lui, il n'est pas séqa. Ce hadith, pas vu le niveau de sahih. Lui, les khafif ou dhabt en termes de mémoire, il passe à parfait là. Il faut, il est bon sur mémoire, mais il passe à parfait là. Mais là, à cause, donc, il y en a quatre qui sont mémoire faux, mais seulement un seul sur mémoire, un petit peu faible, comparé à les autres là. On aurait dit comparé à les autres là, pas penser, il est faible totalement, non. Un petit peu faible, mais à cause de ça, un là, hadith là, il pas au niveau de Sahih, ni descend, ni vient au niveau de Hassan. Alors ça, nous comprend précaution qui nous banne au lama, qui nous prend en ce qui concerne parole, hadith de nos nabis, sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'un narrateur. Donc, si pas c'est un narrateur là, c'est un autre qui s'écrit, hadith ça, type authentique. Hadith ça, type au niveau de Sahih. Mais ça, un narrateur là, à cause du hadith ça, ce niveau baissé. Ce grade baissé. Grade, vous pouvez le dire en termes science hadith. En fait, cause parole de nos nabis, sallallahu alayhi wa sallam, nos nabis, sur parole, chaque parole, sur grade bien haute. Right? Pas mal, je comprends que nous disons. Non, c'est ce grading. Right? Mais Zodi, maintenant, compare ça avec Zodi, Tran qui nous est dans Zodi. Tout ce qui gagne, tout le monde qui gagne, l'inek, forward, l'inek, posé. Hein? Parfois, que Nimbar est cause hadith fabriqué, en personne, moi, m'entendez. Et faire causerie et cause hadith fabriqué. Allah pardonne-nous. Et donc, science hadith est important. Dans nous, l'époque, surtout, science hadith il est bien important, bien important. C'est sa science, ça même, qui est pour capable d'arrêter ça, qui chose, comme on dit, cause ceux qui ont envie de dire. Ou bien cause ceux qui ont envie de hadith surtout. Ok, anyway, nous continuons vite vite. C'est beaucoup le temps. Where most likely found, although there are no works specifically devoted to the hadith Hassan, however, there are books in which it is abundantly found. Donc, il y a un livre spécifique pour hadith Hassan, mais dans certains livres que tu les trouves beaucoup, c'est Jami' al-Tirmidhi, Sunan Abi Daoud, pour Imam Abu Daoud, et Sunan ad-Darqutni. C'est un livre hadith. Ensuite, il y a une petite chose là qui Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il peut expliquer nous. Qui il peut expliquer nous? Il peut expliquer nous, il dit nous, parfois, Imam Tirmidhi, parfois, un hadith concernant un seul hadith, Imam Tirmidhi, il dit nous, ce hadith là, li Hassan et Sahih. هذا حديث حسن صحيح وين حديث لجنو حديث لحسن
Et les sahih. Mais là, il crée une confusion parce que nous ne comprenons sahih les plus hautes, hassan les plus bas. Donc, comment un hadith est capable de sahih aussi, il est capable de hassan? Donc, c'est les sahih, normal, les plus hautes qui hassan. Et c'est les hassan, c'est-à-dire les pas sahih au niveau authentique. Mais qui fait un imam Tirmidhi parfois servir tous les détails? صحيح إيه حسن بوينس الحديث حفيد ابن هجر ده نخبة اللي بيقول سالا الغيزون كي دوني ان با ان اكسبليك لي ان تي بي بلي بيان بلو فاسيل ده بان سام غيزون لا لي فاسيل غيزون لا سي سا اف ذا حديث هاز تو او مور اسناد ات مينز وان اسناد از حسن اند ذا اذر از صحيح سي حديث لا ان دو Imam Tirmidhi concernant un seul hadith, il y a un hadith d'Ali Hassan et Sahih, mais ça, si arrivé, sa particulière hadith, là, il y a deux chaînes de transmission, Imam Tirmidhi, donc, Péolejao, qui est une chaîne de transmission, là, l'Ali Sahih, avec une chaîne de transmission, là, l'Ali Sahih, et avec une deuxième chaîne de transmission, là, l'Ali Hassan. Et si, concernant un hadith, Imam Tirmidhi, il y a un hadith d'Ali Hassan, et Sahih, mais hadith, il y en a une seule sanad, là, qui est arrivé. Comment les capables Hassan et Sahih, il y en a une seule sanad? Mais là, son raison, c'est parce que certains man ulama fin considèrent hadith la Hassan, certains fin considèrent les Sahih, Imam Tirmidhi fin mentionne les deux ensemble. Alors ça, un point supplémentaire, même si comment dire, pas trop comprend, hein, on a besoin d'expliquer ou bien Donc, à expliquer tout à l'heure. Mais sinon, vu que les trous de Nukhba nous ont bien couverts, nous continuons. Sahih li ghayrihi. Hassan, nous finissons en prendre, c'est quoi Hassan? Maintenant, Sahih li ghayrihi, qui veut dire? Sahih li ghayrihi, it is the Hassan li dhatihi narration when it is reported through another similar route or one even stronger. It is called Sahih li ghayrihi, Sahih due to other factors, because its being Sahih does not result from its own sanad, rather it only results from combining others with it. Taban Musaim, and hadith, qui li hasan li dhatihi, qui nous apprend cette définition là-haut. And hadith, qui li hasan li dhatihi, si comment dire, li être rapporté, être rapporté par un similar route ou bien une route, un sanad plus strong. Alors là, ça c'est qui est Hassan, il y a un autre support parce qu'il peut être rapporté. Hein? Encore, il y a un support. Quand il y a un support, là, c'est qui est Hassan, il est là, automatiquement, parce qu'il y a un support, automatiquement, ce rank il est monté hein? Et il vient au niveau de Sahih. Mais seulement, on ne peut pas appeler le Sahih li dhatihi, un hadith qui est Sahih par lui-même. On peut appeler le Sahih li ghayrihi, c'est-à-dire le Sahih due to other factors. Right? Ça, c'est Sahih li ghayrihi. Alors, basically, c'est un hadith qui est Hassan li dhatihi, mais seulement à cause d'un support, il monte sur grade, il augmente. Voilà. Alors, en termes de rank, le above Hassan li dhatihi, but below Sahih li dhatihi, en termes de rank. Et un exemple de ça, c'est concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Dire, hein, traduction, were it not that I feared hardship for my ummah, I would have ordered them to use the siwa, miswa at each prayer. C'est un hadith qui est sahih, li ghayri. Imam ibn Salah, because concernant un narrateur, Muhammad ibn Amr ibn Alqama, qui trouve dans sa chaîne de transmission là, Mohammed ibn Aam, hein? Imam ibn Salah explique nous, il y a nous qui sa narrateur là, concernant lui, il y a une divergence parmi les ulama. Certains ban ulama fin considèrent les faux, certains fin déclarent les faibles. Hein? Donc, les ban ulama fin prend comment dire, au milieu. Pan considèrent les trop faux et les faibles. Ce hadith arrive au niveau de Hassan. Mais seulement, hadith-là, il faut être rapporté.
pendant les autres chaînes de transmission aussi. Alors, quand les fenêtres rapportées pendant les autres chaînes de transmission, là, la hadith, là, les néplis restent au niveau de Hassan, les montées deviennent au niveau de Sahih, les Raïlihi. Ensuite, dernier, le terme inni, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de n'en pour deux semaines après. Hassan li ghayrihi, 5 minutes inshallah. Hassan li ghayrihi. Hassan li ghayrihi, comment on finit, comprend peut-être. Hassan li ghayrihi, c'est un hadith qui l'invite Hassan, pas par son propre la force, mais par la force de les chaînes de transmission. Alors, basically, un hadith qui Hassan li ghayrihi, c'est un da'if narration, c'est dans la catégorie de mardoud. Mais seulement, il y a numerous routes. And the reason for it being da'if is not fisk. La raison qui fait l'itif fait, c'est pas à cause narrateur là qui est sinner. Et ni l'itif fait à cause narrateur là qui est menteur. Veut dire sur raison faiblesse, les parties intenses, les tiennes hadith faibles, mais les parties intenses, right? Les parties trop faibles. Parce qu'il nous faut comprendre. Faiblesse aussi, il y a différents niveaux de faiblesse. Hein? Il y a plus faible, il y a beaucoup faible, il y a les moins faible. Alors, par exemple, donne-nous une raison là. Une raison qui a dit ça, les faibles, à cause de poor memory of a narrator, ou bien a break in the sanad, une rupture de sanad. Là, quelque part au jahala about a narrator, pas qu'on concernant un narrateur à cause de hadith là faible, mais seulement quand on comment dire on gagne même hadith par une autre chaîne de transmission. On gagne hadith là par une autre chaîne de transmission. Là, on gagne des faiblesses là, n'est pas intense et les fenêtres rapportées par une autre chaîne de transmission qui arrivait là, hadith là, sur rank, sur grade monté. L'inépliris d'arif. Là, il vient le niveau de Hassan Liraïri. Brièvement, comprends-les. Comme ça, un hadith, parfois, il est capable de faire, mais sa faiblesse n'est pas intense. Quand il finit d'être rapporté par une autre chaîne de transmission, donc, sa autre chaîne de transmission, là, il est capable, comment dire, sa faiblesse qui est là, il n'est plus risque faible, donc, il vient le niveau de Hassan Liraïri. OK. On nous propose hadith da'if, un peu plus facile. So rank, li lower than Hassan li dhatihi. So ruling, c'est among the accepted narration, which are used as proof. Parce qu'il est Hassan. Et maintenant, l'exemple qu'il nous donnait au cas, il y a après, mais pas pour prendre trop de détails là-dedans, c'est hadith rapporté par Hadrat Omar radiyallahu ta'ala an, qui est anglais là-même. Yeah, whenever the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam would raise his hands in supplication, he would not lower them until he had wiped his face with them. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait dua, à chaque fois il fait dua, whenever. Quand il fait dua, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas baissé la main aussi longtemps il va finir, parce que la main mubarak, le visage mubarak, hadith là. Donc, il est devant ou là? OK. Ça, da'if qu'il écrit là en beau le caractère. Ça, c'est bon, savant l'Arabie Saoudite, ce travail, ça. Hein? Maintenant, le travail, ça. Une copy-paste, et puis, édition Darussalam. Une copy-paste. Mais juste pour dire où? Ça, hadith là, même, Ousseymine, il dit non, ça, hadith là, il fait bruit. Mais seulement à cause des fenêtres rapportées par les autres chaînes de transmission. Shawahid, c'est ça même. Il y en a même les autres chaînes de transmission. Donc, il donne référence à Hafiz ibn Hajar Asqalani et les djanouk qui hadith là. Quand on combine tout ça dans le sanad là, il ascend to the rank of hadith Hassan. C'est-à-dire, hadith là, il est acceptable. Il est acceptable. Et peinant, il y a de mal là-dedans. Quand on fait au doigt, quand on doit terminer, on passe ou la main ou au visage. C'est sunnah, c'est principe de Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Right?
Donc voilà, le message complète ça. Maintenant, si je tenais la question, bah, écoutez. Sinon, donne-moi Rabiul Awwal, envoie un maximum de roues de l'Onabie Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Attends, autant qu'il se peut poser d'autres questions là, hein? Envoie d'autres questions. Et un petit conseil pour moi-même en premier, parce que nous posons après Yaumun Nabi. Si nous peinons l'habitude jusqu'à l'heure, envoie une certaine quantité de roues de l'Onabie Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Comme tous les jours, par exemple, 100 fois, 200 fois, 300 fois, 1000 fois, fais-le l'habitude. Et commencez à partir. En essayant d'attendre le Rabiul Awwal venir, on a commencé à partir aujourd'hui même. Donc, on prend sur le Hadith, Hadith, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça, Mohabbat l'âme qui nous réunit, nous là. On a l'espoir pour joindre Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers hachars, pour gagner ce shafa'a, et nous, Nabi India. La personne qui envoie plus beaucoup de roues de l'eau ou plus près avec lui dans mes derniers hachas. Jour jugement. Donc, envoie de roues maximum qui est capable. Y a une question? هو كان كشوفي بيني وستاد هنا هو كان كشوفي زوجي هنا كيسيون بي بي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد نازل درود لا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من الدرود اكسلام صلى الله عليه وسلم C'est la question. Faire droit, nous allons. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.